Et si vous profitiez un peu de la mer? Ouais! Je vais faire bronzer mes muscles puissants. Il va avoir du mal. Vu comment tu t'es placé, tu vas bronzer les muscles de tes orteils. N'oubliez pas de mettre de la crème, ça chauffe dur. Allez, tous à l'eau. Dépêche-toi! Allons-y! Soyez prudents! Ça suffit, les petits marrons! Admirez la danse du cygne! Assassin! Vous m'avez laissé plonger dans de l'eau salée! Mais tu savais pas que l'eau de mer c'était salée? Non, je ne savais pas, mais ce que je sais, c'est que je vais rouiller! N'exagère pas, il en faut plus que ça pour faire rouiller un Medabot! Peut-être, mais au moins tu aurais pu me prévenir! Tu n'as plus qu'à retourner dans l'eau! Hé! J'ai pas d'ordre à recevoir de toi! Il me semble que je devais faire quelque chose. Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait laissé plonger dans cette eau salée. Je vais peut-être attraper la maladie de la rouille et on jettera mes cendres à la mer. Oh là là, quel malheur! Moi qui étais promis à un avenir si brillant! Hé, hey, toi! Hein? Aïe! Ça va pas la tête! Ne jette pas tes saletés sur notre plage, ok? Il est complètement fou ce Medabot. T'as vu, il date du Moyen-Âge. Pourquoi tu jettes ton masque? T'es pas bien? Il a l'air tout neuf. À mon avis, il doit pas savoir nager. Non, vous n'y êtes pas! C'est à cause de la maladie de la rouille! Tout ça, c'est des bobards. En fait, il a peur de l'eau. Allez, avoue, tu trouves qu'elle est trop froide? Comme il ne sait pas nager, il a peur de se noyer. Mais regardez, quand on le tape, ça fait des gouttes. Eh oui, t'as raison, ça fait des gouttes. Attends, je vais essayer moi aussi, c'est marrant. Ça suffit, sale gosse! Hé, hey, laissez tranquille mon Medabot. Hé, hey, comment ça, mon Medabot? Metabé. Je ne suis pas ton Medabot, je suis mon propre Medabot. Oui, c'est ça, c'est ce que nous verrons plus tard. C'est quoi votre problème à tous les deux? C'est la première fois que je vois une dispute entre un maître et son robot. Ça vous arrive souvent de vous chamailler comme ça? Mais qu'est-ce que je raconte? Je suis devenue dingue. Jamais, jamais mon Medabot m'insulterait. Allez, du vent! Je crois que c'est plutôt vous qui devriez déguerpir. Ah oui, pourquoi ça? Ouais, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Moi, je n'aime pas votre tête et elle plaira pas au monstre. Quel monstre? Si j'étais vous, je ne me risquerais pas à traîner sur cette plage. Le monstre aime bien les petits fours. Amusez-vous bien, les gars. Bonne chance. C'est mignon, un monstre. Un monstre? Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Bon appétit, jeune homme. Merci, madame. Miam. Hé, madame, j'ai entendu une histoire bizarre. C'est vrai qu'il y a un monstre? Comment ça, un monstre? Ce sont des gens sur la plage qui m'en ont parlé. Oh là là, c'est fou comme le temps passe. Il faut déjà que je prépare le dîner. Je pense que je vais enquêter sur le sujet. Tu sais très bien que les monstres, ça n'existe pas. Tu te fiches de moi? Alors pourquoi tu regardes sous ton lit tous les soirs? Tu fais le ménage? Il compte les monstres. Je suis sûre que le monstre se cache derrière ces gros rochers, sur la plage. Si on allait vérifier? À votre place, je n'irai pas. Hein? Si vous voulez un bon conseil, laissez ces rochers tranquilles. Pourquoi? C'est vrai ça, pourquoi? Je n'ai pas le temps de vous expliquer, mes nouilles sont prêtes. Qu'est-ce qui se passe? Un monstre! Un secours! Qu'est-ce qu'il arrive? C'est vrai qu'il
qu'il y a un monstre ? Oui, je l'ai vu de mes deux yeux ! Il est comment ? C'est un poulpe géant ! Non, c'est un monstre du Loch Ness ! Non, c'est un tyrannosaure ! Soyez plus précis, s'il vous plaît. Ah, oh, quelle horreur ! Monstrueux ! Et attendez, j'ai encore des questions à vous poser ! Ils sont tous partis. Alors, tu en penses quoi, toi, de cette histoire de monstre ? C'est un super scoop. Un monstre ? Il y a trois possibilités. Le poulpe, le monstre du Loch Ness et le tyrannosaure. Lequel des trois est-ce vraiment ? On doit absolument traquer la bête. On n'est pas obligé, tu sais. Si le monstre nous lance un défi, on ne peut pas se défiler. Mais personne ne nous a défiés. Qu'est-ce que tu fabriques ? Je m'en vais. Je suis un méda champion, pas un chasseur de monstres. J'ai rien à faire ici, ciao. Toi, tu ne vas nulle part. Tu vas m'aider à trouver ce monstre et il va regretter d'avoir écrasé notre château de sable. Ce n'est pas lui qui l'a écrasé, c'était toi, Erika. Bon, ça suffit, on y va. De l'eau. Il va bien finir par montrer son nez. Et ensuite, tu feras quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu un bruit. T'as surtout entendu les vagues. Oh ? Iki, si tu allais lui parler ? Pas question, c'est toi la journaliste. Mais je ne suis qu'une pauvre petite fille sans défense. C'est la pauvre petite fille sans défense qui nous a traînés dans cette galère. Salut l'ancêtre. Alors, ça roule ? Super classe ton solo. T'es du coin? Et c'est toi le monstre? Un, ça veut dire oui. Deux, ça veut dire non. Le poisson. J'adore le poisson. Impressionnant. De quoi parle-t-il? On dirait qu'il attend quelqu'un. Tentaclam, coup spécial, attaque de la bouée. C'est un médabot pieuvre de type sous-marin. Tu as vu comme il flotte ? Oui, comme un poisson dans l'eau. Je l'ai prise, Tentaclam. On a trouvé de quoi manger pour le repas de ce soir. Tu écailles les poissons, moi je les mange. C'est impressionnant. C'était pas du bluff, il aime vraiment le poisson. C'est peut-être un pêcheur. Ou alors il a sacrément faim. Quoi? Vous n'êtes pas encore partis, vous? Oh, tu vois, Erika, c'est eux qui m'ont parlé du monstre. Je vous ai pourtant dit de décamper. Tu te prends pour qui? Nous sommes ici pour traquer le monstre et l'affronter en combat singulier, ça te dérange? Non, mais tu veux rire? Vous ne réussirez jamais à battre ce monstre, bande de nuls. Non, mais vous n'avez aucune chance. Surtout pas avec le tas de ferraille qui vous accompagne. Tu m'as traité de quoi? C'est vrai que c'est un tas de ferraille. Quoi? Mais ce tas de ferraille n'a jamais perdu un combat. Ah ouais? Eh bien, ma méda montre me dit que son heure est venue. Quand tu veux. Je suis prêt. Charcan, coup spécial, torpille. Je te défie en match officiel. Ton tas de ferraille contre mon charcan. Ça me va. On y va. Alors, c'est décidé. Oh. Cette rencontre entre Métabé et Charcan se déroulera selon les règles officielles de la Fédération Mondiale des Médabots. Méda Champion, prêt? Ouais. Très bien. Médabots, à vous de jouer. Vas-y, Métabé. J'espère qu'il a apporté son maillot de bain. Tu vises vraiment comme un pied. Oh là, oh. Je me sens pas bien. Oh. Oh non, il a le mal de mer. Oh. Oh.
Je ne peux plus rien faire. Métabé déclare forfait. Le vainqueur de ce match est Charcan. Oh non, Métabé. T'as vu ça un peu? Je l'ai vaincu en un temps record. Vous connaissez les règles des matchs officiels? Moi, je les connais. Ce petit rigolo doit me donner un médaillement. J'attends. Allez, fais pas cette tête. Elles sont bien tes nouvelles jambes. J'aime bien ta jupe aussi. Oh, rage, oh, désespoir. Essaie de comprendre ce que je ressens. C'est déjà assez dur de perdre un match et de voir mon adversaire danser de joie. Et en plus, avec mes jambes. Regarde le bon côté des choses. Si Iki n'avait pas prévu des jambes de secours, tu marcherais sur les mains. Il savait que Métabé ne pouvait pas nager et il l'a attiré dans l'eau. C'est un peu de la triche, hein. Non, c'est une bonne stratégie. Il a mérité sa victoire. Si tu le dis. C'est fini, la déprime. Bon, vous avez perdu un match. C'est pas la fin du monde. Je voudrais bien prendre la revanche, mais comment faire? Je nage comme un pied. Tu n'as qu'à prendre des cours avec un poisson. Oh. Ah, Eureka! Oh. S'il vous plaît, monsieur, est-ce qu'on pourrait vous emprunter un médaillement pour faire nager Métabé? Ayez pitié de mon sort. Oh, le fossile. Ce sont des pièces de rechange pour Tentaclam. Vous êtes sûr qu'elles marchent? Leur grand âge n'a pas dégradé leur qualité originelle. Vous ne les auriez pas en jaune? Ça suffit, fais pas le difficile. Bon, je vais essayer. Tu me rappelles quelqu'un, mais qui? Tu as perdu deux jambes, mais tu en as gagné quatre. Je ressemble à une table basse. Ne vous fiez pas aux apparences. Elles peuvent être riches en surprises. Vas-y, un petit plongeon. J'y vais. C'est parfait. Maintenant, on va pouvoir prendre notre revanche. En es-tu certain? Oh. Mais Métabé! Et c'est comme ça que tu vas la prendre, ta revanche. Oh. S'il vous plaît, monsieur, apprenez-nous les arcanes ancestrales de la bataille navale. Nous ne pouvons pas rester sur une défaite. Nous voulons devenir vos disciples. S'il vous plaît, monsieur. J'ai dompté la mer des années durant, au péril de ma vie. Oh. Ryan n'est pas votre ennemi. Ah? Ah bon? Votre ennemi, c'est la mer. C'est elle que vous devez vaincre. Je ne serai pas tendre avec vous. Alors, vous nous prenez comme disciples? Sensei! C'est pas vraiment ce que j'avais en tête. Pour l'instant, tout ce qu'on a fait, c'est des corvées inutiles. Soyez plus attentifs si vous glissez comme ça en mer. Vous finirez dans les rochers à nourrir les poissons. Bon, ça suffit. Ah, c'est comme ça qu'il faut réagir. Rebelle-toi contre la nature. Ne te laisse pas faire par les éléments. Un Médabot et son Méda champion doivent unir leurs pensées. Incroyable! Ils sont encore vivants! Oh, de l'eau! Je veux de l'eau! Oh, je n'ai jamais trouvé l'eau aussi bonne! Oh. Tu crois que je sais nager maintenant? Je n'en sais rien.
Jusqu'ici, on a fait de l'exercice que sur la terre ferme. Oui, je sais. À moi non plus, ça ne me semble pas vraiment logique. Ça venait de derrière ces rochers. Allons voir. Erika, qu'est-ce qui t'arrive? C'était atroce, j'ai vu un horrible monstre. Quoi? Un monstre? Ça alors? S'il vous plaît, monsieur le monstre, ne me mangez pas. Oui, mangez plutôt le chien, Erika n'a que la peau sur les os. Ce n'est pas vrai. Mais c'est... C'est un Medabot ? Vous mêlez pas de ça, c'est pour effrayer les touristes. C'est pas vrai, vous avez osé faire croire à tout le monde qu'il y avait un monstre sur la plage. Vous êtes ignoble, plus personne ne va venir ici. On s'en moque, on n'aime pas les étrangers de toute façon. Quoi ? Mais la plage est à tout le monde. Mêle-toi de tes affaires. On n'a pas de leçon à recevoir d'un petit blanc bec. Et qui ? Elle, Medabot, elles sont Mimi, tes gambettes. C'est pas beau d'être jaloux ! L'heure est venue de mettre en application mes enseignements. Oh ? Sensei ? Avez-vous un dernier conseil à nous donner ? Juste un. Baissez-vous ! L'heure est venue de leur montrer ce qu'on vaut ! Je vais récupérer mes jambes ! Pour ça, faudrait que t'arrives à me battre. Vous êtes d'accord ? Oui ! Ouais. Je déclare que cette revanche se jouera selon les règles d'un match officiel. Iki et Metabe affrontent Ryan et Charcan. Mais la champion prêt ? Oui ! Ouais. Transport, jambes tentaclam ! Je suis prêt ! Et d'abord, à vous de jouer! Oh! Maintenant, je comprends tout! Son entraînement a amélioré son équilibre! Vous me remercierez plus tard. Eh, hey, si ça se trouve, on va enfin avoir droit à un vrai match. À toi de jouer, Metabe! On ne joue plus! Pas mal, son esquive! Tu m'étonnes, ce requin est dans son élément! Oh! Maintenant, c'est à moi de jouer. Ça vous dirait une petite partie de bataille navale, grandeur nature? Il a disparu. Attention, Metabe! Il est rapide. Allez, Metabe, ne te laisse pas faire. Je fais ce que je peux. Oh, j'ai compris. Il a appris à flotter, mais en fait, il ne sait toujours pas nager. Désolé, c'était la leçon de demain. Pauvre fou, tu n'as aucune chance de t'en sortir indemne et tu ne le sais même pas. Qu'est-ce que je dois faire? Ne le laissez pas tomber, dites-lui comment s'en sortir. Patience, la première vertu d'un homme de la mer, c'est la patience. La patience? La mer a mille et un visages. Un visage sévère, un visage sympathique, un visage joyeux et un visage triste. Il y en a encore beaucoup d'autres, mais j'ai oublié. En tout cas, il faut que vous ayez la patience d'attendre que la mer se calme. C'est alors qu'elle reflétera votre propre visage. Patience! Elle est à bout, ma patience, tu vas t'expliquer! Je ne peux pas, tu m'étrangles! Tu avais promis de nous aider, fais-le! Votre adversaire est un requin. Pour anticiper l'attaque d'un requin, il faut repérer un indice. C'est quoi cet indice? Quel indice? Oh non, Iggy, fais quelque chose. Je ne veux pas finir en pièces détachées. Trouve une solution. Je l'ai vu, l'indice. Mais Tabé, il est derrière toi. Tu peux le repérer grâce à son aileron. Lance-fusée. Bien joué, tu l'as eu. Eh oui, c'est moi le meilleur. Ça alors j'ai perdu. Charcan est hors service. Le vainqueur du match officiel de ce soir est Metabe. Mon père m'a toujours dit que les touristes étaient des empoisonneurs. Ils n'ont aucun respect pour la plage. C'est vrai ça, ils laissent traîner des papiers partout. C'est comme ça qu'on pollue l'environnement. Ah,
voilà pourquoi vous faisiez fuir les étrangers. Malgré tout, ce que vous avez fait n'est pas très correct. Vous avez raison. Hein? Alors, serais-tu d'accord pour un autre match? Ouais, quand tu veux. Oh, Sensei! Oh. Tu peux garder les jambes de Tentaclam si tu veux, mais promets-moi d'en prendre soin et souviens-toi de ne jamais manquer de respect à l'océan. Oh. Je l'aime bien, l'ancêtre. Oh. Je sens comme une odeur de brûlé. Le grand vainqueur d'aujourd'hui est Métabé. Rendez-vous pour la prochaine rebataille.